Alors, est-ce que ça vous plaît ou pas? Oui. Bérangère est couturière. Aujourd'hui, elle vient au collège Georges Rouquier de Rignac présenter à ses élèves de 3e un produit qu'ils ont entièrement pensé, un sac en jean recyclé. Leur projet était très clair. Donc, je leur ai proposé un prototype assez rapidement. Notre projet consiste à récupérer des jeans et ensuite à en faire des sacs. Et les chutes seront reversées au relais pour en faire de la métisse. Et les fonds récupérés seront donnés à une association qui s'occupe des tortues. Pour en arriver là, les 13 collégiens ont créé en septembre leur mini-entreprise sur laquelle ils travaillent une fois par semaine. Une immersion dans le monde économique portée par deux enseignants de l'établissement. J'avais envie d'innover et de travailler avec les élèves de façon différente et voir les élèves entre guillemets en action. Les élèves peuvent transférer très concrètement les compétences et connaissances acquises dans les différentes disciplines au milieu de l'entreprise. Un exemple, des compétences acquises en français sont tout à fait transférables pour le service administratif. Le résultat, le petit Georges, un sac éco-responsable. Ce qui m'a plu personnellement dans ce projet, c'est découvrir l'entreprise, découvrir les responsabilités, le déroulement. La planète, elle va pas très bien parce qu'on gaspille beaucoup et le fait de créer un produit où on recycle, où on revalorise le produit, ben ça, si on peut apporter un peu notre aide à la planète, ça nous touchait, quoi. Enfin, ça nous intéressait. Prochaines étapes, la commercialisation du Petit Georges et en mai prochain, le championnat régional de la mini-entreprise à Toulouse.